Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un match post-weekend. Antes-weekend, parce que post-weekend, vous serez après le week-end. Donc non, avant le week-end de championnat qui arrive. Et un premier match, Exeter Chiefs versus the Leicester Tigers. Ça fait plaisir de revoir ça. Bientôt, vous inquiétez pas, vous aurez le top 14 qui va revenir. Mais en tout cas, la première chip, elle, va finir sa saison, contrairement au top 14 où ça a été complètement annulé. Les maillots, on a appris ça. On va vite fait regarder la compo, mais est-ce qu'elle tient la route? Et non, Vezic est parti chez les Warriors, je crois, Worcester Warriors. Jack Noel et Flaherty sur les ailes, Devoto et Slade dans le centre, Hogg, Samva, Joe Simmons et Nick White. Nick White est parti aussi, évidemment. Est-ce qu'on n'aurait pas Stu Townsend ou Jack Monder? Allez, Jack Monder. Je ne sais pas si ça sera pas Stu Townsend. En tout cas, c'est le retour de la première chip avec les Exeter Chiefs vraiment devant au classement. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure pour l'instant. Mais attention, il va falloir bien jouer. Il va falloir assurer le tout parce qu'il va falloir combiner énormément de matchs entre les matchs internationaux, la Coupe d'Europe, la première chip. Ça va faire beaucoup de matchs pour les joueurs qui jouent un peu partout. Donc voilà, allez, on y va sur ce match entre les Exeter Chiefs et Leicester. Mais on va vite fait regarder, on est bien en difficulté. Bon, durée de match 15 minutes, difficulté pro, c'est la plus dure, c'est ça. 15 minutes, bon, ça nous laissera le temps de se remettre. C'est vrai que je joue surtout à Rugby Champions hein, en ce moment. Donc voilà, il va falloir gérer tout ça. Combien de titres de champion de France a remporté l'AS Béziers? C'est 11, évidemment. Troisième club le plus titré de France de l'histoire, derrière le Stade Toulousain et le Stade Français Paris. Hein, donc Béziers, troisième plus grand club français quand même. C'est pas mal. On ne le verrait pas venir, ça, mais si, c'est le cas. Allez, on y va. On va essayer de vous proposer du joli gameplay. C'est vrai que moi qui joue beaucoup à Rugby Champions de 21, va falloir que je me réhabitue. C'est terrible, mais ouais, il va falloir se réhabituer aux touches. Et après, je veux faire un match de Rugby Champions. Donc, attendez. Allez, oh là. Alors. Ah oui, B pour aller. Ok, il va falloir que on se réhabitue pour aller dans les recs, etc. Bref, voilà. Allez, attention, c'est les Tigers qui, avec Dan Cole qui envoie du jeu, attention. Alors là, il va falloir. Je me souviens plus des touches. Ça va être terrible, il va falloir très vite remettre voilà, l'habitude à jouer sur ce jeu parce que, ben voilà, même si. C'est pas le jeu le plus dur au monde, hein. C'est un peu comme Rugby Challenge où une fois que t'as compris à peu près comment jouer, normalement tu t'en sors pour gagner, mais il faut quand même. Le truc c'est que je sais même plus les touches, genre pour plaquer. Alors pour aller dans le rec, ça y est, je commence à me souvenir. Là, voilà, allez, on va essayer de mettre la main sur le ballon. Non, mais voilà, je veux. Ça touche. Et. Si on marquait comme ça, c'était incroyable. Je voulais accélérer, j'ai appuyé sur tir. Bref, j'ai fait le boulet. Mais bon, on va s'y attendre à ça. À confondre les touches. Allez, l'important c'est de conserver la balle, hein, surtout. C'est pas mal ça. Ah, sauf que c'était un pilier qui était pris dans le truc, ça c'est pas fou. Allez, ça c'est pas mal. Il faut trouver du soutien. Ouais, quoique non, il a des cannes. Il a des cannes. Henry Slade qui vient marquer. Laisser sans doute pour égaliser. Si on ne rate pas, normalement ça devrait aller. Hein. La transformation est normalement pas trop dure. Alors pareil, il faut se réhabituer. On gère la puissance d'abord. Bon, il n'y a pas besoin de trop de puissance. Hein, normalement. Sur. Voilà, tranquillou. Et on revient au score à 7 partout. Bon, voilà, c'est le temps de se réhabituer aux touches. Qui sont sur, chaque jeu de rugby a des touches différentes, donc c'est pas facile. Mondeur, envoyer les piliers. Allez, et pourquoi pas. Voilà, la passe en tombant, c'est pas fou. On va insister, même sens. Allez, en tombant. Allez, Slade, pour Tom O'Flaherty. O'Flaherty, on a tenté le crochet intérieur, ça passe pas malheureusement. Allez, c'est pas grave. Oh, dans l'axe, Don Armand. On conserve. Allez,
Oh, Slade, c'est pas mal le crochet. On aurait pu essayer après de retrouver Jack Noel, mais c'était difficile. Les crochets sont... Non, je voulais pas faire ça. Les crochets sont toujours vraiment bien faits, hein, ça. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est toujours vraiment, vraiment bien fait, l'animation du crochet. Voilà. Allez, on récupère la balle et on va essayer de partir avec Slade, on l'a vu. Slade ralentit la course pour retrouver Jack Noel, mais bien plaqué, malheureusement. Allez, on va insister. Petit départ avec les avants. Zone Armand dans l'axe. Slade très actif dans ce match. Sans qu'il est solide. Allez, Johnny Hill. Allez, O'Flaherty. Ça va être difficile. Il a des cannes. O'Flaherty va peut-être pouvoir les mettre la pression. Ouais, moi, je pense qu'on va se dégager. Il a aplati Rambo 22. Bon, on s'est lancé. On s'est lancé dans le match. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. Voilà, la première chip qui va reprendre ses droits. Harry Williams. Ouais, la première chip qui reprend ses droits. Tout va s'enchaîner très vite ensuite. Hein. Bon, il reste 9 journées hein, quand même de première chip. Elle est vraiment pas finie. Hein. Donc, ben voilà. Leicester quasiment, quasiment éliminé. Mais bon, mathématiquement, c'est pas fini. Donc, ils vont se battre pour essayer de se qualifier au moins pour la Coupe d'Europe. On ne sait jamais. Allez, le crochet de Jack Noel. Il ne passera pas. Ouais, donc, et les Exeter Chiefs, ils sont premiers assez largement. Mais attention, avec des équipes comme les Sail Sharks, comme Northampton, ça peut, voilà, ça peut être intéressant. Mais voilà, une victoire là, ça nous met très bien du côté d'Exeter. Slade, c'est pas mal pour le retour intérieur pour Joe Simmons. On repart, on insiste. Allez, ça casse un plaquage, pas deux. On va essayer de partir au ras avec Jack Munder. On est bien. Ah! Allez. Ah, mais c'est pas comme ça que je voulais faire là. Des fois les passes sont. Allez, Slade, il arrive à faire. Oh non! J'ai cru. On a essayé de faire rapidement la passe. Malheureusement, ça n'a pas marché. Allez, on va essayer de voler ce ballon. Peut-être. On a. Il réussit à bien timer et on vole le ballon et on va faire du jeu de suite. Ah, bien stoppé. Et c'est là où, ouais, c'est vrai que après avoir touché Rugby Champions, tu te dis, ah ouais, là quand même, t'as moins d'opportunités, en fait, moins de possibilités de gameplay quoi, que sur Rugby Champions. Mais bon, après, le jeu est cool, hein, encore une fois, Rugby 20 est. Et quand même tout à fait sympathique. Slade. Oh, Slade. Oh, il est complètement pété ce joueur. Il est pété et il vient marquer le deuxième essai. Au bout d'une demi-heure de jeu. Voilà. Allez, on va essayer de transformer tout ça avec Joe Simmons. Ça devrait pas poser de soucis. 14-7. Voilà. Après un début de match catastrophique où on s'est fait un peu percer les défenses. On peut. Allez, Donnarmand. Déjà, le principe du rug, on s'y est remis. On arrive à plutôt gérer correctement tout ça. Ah non, là par contre, j'ai fait un peu n'importe quoi. Attention, bah, ça peut. On a que. Oui, non mais. On se déconcentre, les gars, et ça peut vite, très vite coûter cher. On est déjà sous pression sur nos 5 mètres, et oui. Savoir bien ressortir de l'embut après avoir marqué, c'est important. On n'arrive pas à se replacer là. Hein. On n'arrive pas à se replacer, c'est terrible. Oh là là, je crois que c'est Calamafoni qui vient essayer de mettre la pression. On repart dans l'autre sens et il va réussir à aplatir. Kyle Smond. Aïe. Oui, non mais. C'est logique. On fait n'importe quoi là, nos sorties de balles, nos sorties de camp, c'est important. Sam Harrison qui va remplacer, on a vu Ben Youngs. Allez, on va envoyer engagement, on va essayer de changer le côté pour les surprendre. Attention. On essaie de ne pas se faire avoir. Allez. Les grattages de balles, par contre, ils sont quasiment impossibles hein, dans ce jeu. Oh, la petite redoublée, c'est osé et ça a marché, ça nous a un peu embrouillé. Je pense que c'était une combinaison. Voilà, pour voir des combinaisons, il faut voir l'IA, attention.
Ah non, ah, j'aurais dû envoyer plus, j'aurais pu. Faut se réhabituer au principe du rack qui est pas... Voilà, il faut se réhabituer parce que c'est pas le même, etc. On est pris de vitesse. Oh non, mais le crochet derrière, mais... Ouais, c'est... Et Johnny May qui met le crochet sur Sturtog. Et bon, au moins vous voyez des essais pour cette reprise. Et George Ford qui a re-signé le contrat avec les Tigers et qui vient marquer pour mener. Eux ils ressortent mieux de leur camp. Ils remettent même un essai juste un peu avant la mi-temps. Les Tigers déjà plus qu'à un essai du bonus offensif à Sandy Park. Bon là le stade est un peu grand hein, pour être crédible à San, que ce soit Sandy Park. Allez Devoto qui intercepte. On va essayer de faire du jeu avant la mi-temps. Pourquoi pas un peu revenir au score. Je sais pas ce que je nous ai fait mais pourquoi pas. On a fait une combinaison sans faire exprès ou... L'écho Wendiki. Ah la passe en retour à l'intérieur. Mais quand même Rugbyvien a vraiment ce... Un jeu, c'est... Il est vraiment très très appréciable hein. En gameplay pur je peux vous assurer. Manette en main il est quand même toujours cool. Voilà, son mode carrière est clairement un flop. On va pas se le cacher mais... Ah j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. Allez, on fixe. Allez, Slade qui retrouve Jack Noel. Ah, il faut le soutien, c'est bon, c'est conservé. Allez, Davy Waters, on fait un point de fixation avec les gros pour ensuite envoyer au large. Allez, on flirte, il casse le plaquage de Johnny May. Ah. On départ. On part au ras avec Ben Moon, ça marche pas. Non, je me suis encore trompé de. Oh! C'est un fail, hein. Je veux accélérer. Honnêtement, arbitrage, honnêtement, c'est un fail qui amène un truc. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un patch de gameplay. Ah, la page de passe au pied de Slade. C'était stylé ça! Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, Will Witty. Place de John Hill, c'était vraiment stylé. Elle est pas facile celle-là par contre. Ah, j'ai peur que ça passe pas. Voilà, quoique. Ah non, le poteau. Bon, on sera mené du jeu. Mais j'ai l'impression que le gameplay a été encore un peu peaufiné. C'est moi ou vous avez pas cette sensation de. Un peu mieux fait encore. Enfin, je sais pas, peut-être que j'ai. Est-ce qu'il y a eu une mise à jour depuis? Bah non, Steam ne m'a pas marqué de mise à jour, je sais pas. Mais bah, le gameplay est... Oh, c'est pas mal fait. Allez, dans l'axe, il faut retrouver Joe Simmons. Et puis Don Armand. Allez, insistez, même sens. Jack Noel. On retrouve intérieur, Davy Wells. On est bien plaqué. Ouais, ouais, pour l'instant, on est mené de 2 points, je rappelle. Allez, Slade au flirty. Voilà, ça va être difficile. C'est pas grave, on arrive à faire de la bonne conservation de balle. Ouais, j'ai essayé de partir avec Jack Munder. Là, ça nous a pas réussi. Ouh, on était à deux doigts de perdre le ballon dans ce ruck. Voilà, là, Jack Noel. Oh, heureusement que Noel fait une petite différence qui permet à son soutien d'arriver. Ah, mais bon, faut que j'arrête d'essayer de partir avec Munder. Marche pas. Les Tigers qui défendent bien. Oulala, le pauvre Flaherty. C'est pas un cadeau qu'on lui fait. On fait avec ça, on perd la balle en plus. Aïe. Des erreurs. Qui peuvent nous mettre en difficulté. Aïe, on n'arrive pas à récupérer la balle. Des fois, on a l'impression qu'on est pas loin de la récupérer, mais non. On leur a rarement gratté la balle, hein. Enfin récupéré la balle. Hein. Ah, ouais, j'ai cru là qu'on pouvait la récupérer. Essayer de faire démonter un peu. Voilà, allez, voilà. Allez, Will Witty. Ouais, mais... Oh, Flaherty, un crochet. C'est pas mal, il élimine. C'est difficile, on est déjà à la 50e minute avec Setter qui pourrait perdre son match de reprise. C'est terrible à Sandy Park. Hop, cette fois-ci on a eu le réflexe. Oh, Luko Wendiki. Oh, j'ai pas réussi à aligner la passe, mais c'est pas grave, ils sont pas encore replacés. Slade, Sam Simmons, allez au Flaherty.
Oh, il a eu trop de chance. Le joueur des Tigers a tapé son pied, notre petit jeu au pied à suivre. On n'est pas en veine. On n'est pas en veine sur ce match. Mais le match est encore gagnable. Hein, voilà. Croyez pas, on n'a pas encore dit notre dernier mot. Allez. Ouais, mais là il y a une conseil. Là, ils font du jeu de gros, du jeu des Tigers. Hein. C'est un peu le jeu des Tigers, ça. Hein. C'est vraiment. On joue avec seulement 8 joueurs et puis basta. Et là, c'est vraiment ça. C'est, ils cherchent plus grand chose. Et donc, ben, ça fait que le chrono déroule. Et en attendant, on peut pas récupérer la balle. Bah, passe en avant. Il y a eu une passe en avant où on avait et on allait aller. Non, bah. Parce que ça a arrêté de jeu. Bah. Alors, attention, c'est la première fois que je refais une mêlée depuis fort longtemps. Allez. C'est bon, on l'a gagné. Allez, Devoto. Oh, Devoto, j'ai fait réussir à faire le crochet. Devoto, j'ai pas réussi à faire la passe ensuite pour Slade. Ah, c'est dommage, c'est pas grave, on insiste même sans son Flaherty. Allez, il nous faut le soutien. On entre dans les 22, on pourrait même tenter un drop. Ben non, parce qu'on perd la balle hein, tout connement. Et voilà, on était. Oh, l'interception par contre de Joe Simmons, voilà. Allez, même sens. Slade qui fait vite la passe pour Jack Noel. Et Jack Noel, laissez important les gars, à 20 minutes de la fin de ce match. Le doublé de Slade, doublé de Noel. Bref, les internationaux se mettent en valeur. Et là, ils sont capables de nous mettre qu'on va manquer de puissance. Non, ça passe. Ça passe 5 points d'avance. D'ailleurs, on est à l'abri d'une pénalité ou d'un drop. Donc, on va voir comment ils vont gérer ça. Allez, Slade. Est-ce qu'on joue au pied? Hop, voilà. Ça, c'est un beau jeu là de Jack Munder. Le demi de mêlée. On ne propose pas de faire des remplacements. Ah, ils font un maul, faut les arrêter. Bon, 20 minutes à tenir les gars. Alors on est déjà nous dans le bonus offensif hein, cela dit. On aura au moins un point. Les Tigers ils sont dans le bonus défensif. Ils sont dans le bonus défensif, mais ils sont à un essai transformé d'avoir bonus défensif et offensif. Ce qu'on a en ce moment. De suite, tente le petit jeu au pied à suivre, c'est pas mal fait. Mais jeu dangereux de Bateman. Oh, il y a une pénalité. Est-ce qu'elle est prenable? Elle est difficile. Elle est difficile. Elle est loin. Remplacement suggéré. Allez. Edburn. Allez, Edburn à la place de Ben Moon. On va la prendre. Là, on tape tout droit et on espère. Ah non, non. Je voulais. Attendez, je vous inquiétez pas, je regarde juste. Oui, un flanqueur, c'est pas fou. Il est pas. Il est ça, c'est quoi quand il est jaune, il est fatigué. Je sais pas. Ouais. Peut-être. Bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, donc la pénalité qui ne passera pas. Il a platine ou il tente la relance? Tente la relance, c'est osé ça, c'est osé. Ouais, oh là là, j'aurais pu shipper la balle. Dommage. Et on va avoir une mêlée à 5 là pour plier le match. Je rappelle qu'ils n'ont pas Bateman, donc ils n'ont pas le pilier. Allez, on va. Oh non! J'ai raté un truc. Ah, oh, je vais réussir à la perdre. C'est dommage, je voulais vous montrer une combinaison. Oui, vas-y, fais les remplacements. On va la perdre. Là, je me suis perturbé. Voilà. Mais vraiment, le gameplay de ce jeu, honnêtement. Testé par rapport à Rugby Challenge, je vous assure que. Ouais, ben, moi je préfère, hein, vraiment, là, le gameplay de ce jeu est vraiment. Après, il y a Rugby Champions qui est vraiment mieux en gameplay, mais graphiquement, ben voilà, il est pas à la hauteur de ça, quoi. C'est pour ça que c'est pas forcément simple.
se sont pas fait avoir, donc on va tenter comme ça. Et ça peut aller. Allez, c'est ça. Henry Slade pour le triplé. Et qui scellera le sort de la rencontre. Et les pauvres Tigers qui sont dans aucun point de bonus. Hein. Ni offensif ni défensif. Joe Simmons pour mettre deux petits points de plus. Voilà, et se mettre à 12 points. 12 points d'avance. On est confiant maintenant. Bien sûr, ils nous ont fait douter, honnêtement, les Tigers. Ils ont été voir un Stuart Hogg qu'on n'a pas trop vu. Hein. On n'a pas eu trop de relance à faire. Allez, en tombant, la passe pour Henry Slade. On va tenter la croisée pour Flaherty. Et il y a un jeu dangereux de Sam Harrison. Le remplaçant de Ben Young, même si. Ouais. Il le prend là. On va aller en touche. Gagner quelques mètres. Hop, pour aller sur les 22. On va tenter de mettre un dernier bel essai. T'es un alignement à 5. On va faire. Aïe, s'ils vont réussir à nous shipper la balle, on va voir. Non, ça va. Ah, mais. Il faut les sortir plus rapidement. Allez, je tente très bien. Vas-y, pivot. Oh, il est stylé. Vous avez vu ça? C'était stylé. Attendez, on va en essayer d'autres. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Vas-y. Oh mais, attendez, honnêtement, ouais, Joe Simmons, mais ils ont, honnêtement, ils ont amélioré ou pas? Moi j'ai l'impression, rugby à 13, voyons voir ce que ça va donner. Là on a pas, elle est difficile à jouer celle-là, mais on est d'accord que les combinaisons ont l'air de mieux passer que par le passé, je suis pas fou. On est au même niveau de difficulté, le plus dur donc... On va mettre une profondeur de ligne plus grande. Pivot vers 13. Vas-y. Ah, ça c'est ma manette qui bug. Allez. Voilà. Allez, vas-y. Hop, la petite croisée. Mais on peut faire des jolis trucs comme ça. Et mais ce jeu il a progressé. Ils ont encore fait une mise à jour. Alors c'est dommage. Le truc c'est que... leur mode carrière est ajouté, on va pas se le cacher, il est vraiment... la prochaine fois qu'ils nous demandent plutôt des conseils, hein, que ce soit vous ou moi, il y aura des... Hop. Ah, dommage, on a tenté le... Mais les combinaisons sont intéressantes, hein. Mais j'ai l'impression, vraiment, hein, alors, peut-être qu'ils vont me dire oui, tu as raison ou non, tu te trompes complètement. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu une mise à jour qui a changé le gameplay, hein, vraiment. Et qui l'a amélioré, hein, vraiment. Allez, on va retenter. Il faut les laisser le temps de se placer aussi. Hop. Non mais là, c'est difficile. Bon, le match est terminé, on va se satisfaire de cette victoire à Stuart Hogg qui envoie. Le match est derrière, ouais, la vidéo fait 23 minutes, je vois déjà. Non, ouais, j'ai l'impression que le gameplay a été amélioré. Je peux me tromper, je peux faire erreur, mais j'ai l'impression, en tout cas, on espère que les Exeter Chiefs battront les Tigers ce week-end, ce qui mettrait mal les Tigers, hein, pour la qualif pour le top 6, pour la Champions Cup la saison prochaine. Déjà qu'ils sont encore en challenge européen cette année, hein, ils vont la finir. Bon, on verra. Et Exeter, pour valider un peu leur première place, voilà, devrait être capable de faire tout ça. On va répondre à la question. Quel club a remporté le championnat de... en finale, j'y étais face aux Chiefs d'Exeter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, il y aura un peu de rugby, hein, encore, hein, je vous en proposerai de temps en temps, parce que encore une fois, quand on y revient, le gameplay, le mode carrière est pourri, hein, mode multi, rien. Mais le gameplay pur, manette en main, il est très sympa, il est très cool à jouer, et voilà. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo, et nous, on se retrouve, eh bien, pour que sais-je. En tout cas, à bientôt, bye bye.